le coach Aliou Cissé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La liste des 24 joueurs convoqués pour les deux matchs contre le Congo le 13 novembre ici à Thiès et le 17 novembre en Eswatini. Gardien de but, Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy. Défenseur, Lamine Gassama, Moussa Ouagé, Saliou Cisse, Racine Colli, Nabi Sarr, Moussa Diaye, Koulibaly, Salif Sané, milieu de terrain, Loum Diaye, Sidi Sarr, Pap Alioune Ndiaye, Idrissa Ganegay, Crépin Diatta, Cherou Kouyaté, attaquant, Famara Diédjou, Maignan, Habib Diallo, Sadio Mané, Mambamba Cham, Ismaïla Sarr et Sadio Tchou. Merci, coach. Alors, si vous avez... rencontre, en attendant, vous pourrez poser vos questions. Pour l'instant, il y a 4 intervenants. Alioune Marron. Grégoire, c'est jamais facile de choisir, c'est jamais facile de constituer une liste quand vous connaissez le potentiel du footballeur sénégalais, le réservoir que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Je le dis, je le répète encore, Grégoire, une équipe nationale, c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. Moussa Ouagé, c'est un jeune joueur qui a déjà fait ses preuves avec l'équipe nationale du Sénégal. Je discute souvent avec lui, pas plus tard qu'au mois de... à ce match qu'on a joué contre le Brésil. C'est une situation difficile, effectivement, qu'il vit au Barça. Mais je crois que les qualités de Moussa ne sont plus à démontrer. C'est un jeune joueur, à devenir... Un très grand latéral. Donc, si je le prends aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai confiance en lui. Maintenant, comme je dis, rien n'est encore fermé, mais c'est vrai, cette situation doit s'arrêter. Et il le sait. Il sait qu'il doit trouver du temps de jeu. C'est bien de jouer au Barça, d'être dans un club comme le Barça, mais si on ne compétit pas, ça devient compliqué. Mais il a encore ma confiance. Ibrahima, vous le connaissez aussi, j'ai fait partie, pour ne pas dire, je suis l'entraîneur qui l'a amené en équipe nationale. Je connais les qualités de ce garçon-là, il a eu à venir plusieurs fois, il a eu à être titulaire aussi une ou deux fois dans cette équipe nationale-là. Comme je dis, la porte ne lui est pas fermée. Maintenant, comme je dis, nous sommes concentrés surtout sur ces deux matchs qui sont importants. Le groupe est intéressant, le groupe est plutôt... équilibré. Je crois que tout le reste, il n'aura qu'à continuer à travailler. Nous suivons tout le monde. Nous n'écartons personne, mais nous essayons en tout cas d'essayer de mettre en place un groupe équilibré, une liste équilibrée. Chose qui n'est pas facile, mais je pense que nous sommes aussi dans une certaine continuité à échanger. C'est sa situation aussi, c'est pareil que la situation à pas mal de joueurs actuellement sur certains postes où il n'y a pas assez de temps de jeu. Hier, en tout cas, quand j'ai discuté avec lui, il avait l'air d'être apte pour venir répondre à la sélection. Bien sûr, comme vous le savez, sa situation aussi ne le plaît pas parce que depuis le début de la saison, il a eu peu de titularisation au niveau de Watford. Donc il faut qu'il continue à bosser, à être patient, à travailler.
La première ligue est un championnat difficile, très compliqué, surtout pour la première année. C'est toujours compliqué, mais je pense que petit à petit, il va s'adapter à ce football qui demande beaucoup de courses, où il y a beaucoup d'impact. Mais bon, je pense qu'il a toutes les qualités, en tout cas, pour réussir en Angleterre. Concernant le stade Ladjor, je connais ce stade-là, vu que j'habite à Hambourg. J'y suis souvent, si je ne suis pas aussi, mes collaborateurs y vont. Récemment, l'équipe locale avait joué là-bas, j'ai assisté à ce match-là. Ce n'est pas une superbe pelouse, c'est sûr et certain. On aurait aimé, en tout cas, être dans de meilleures conditions. Mais vous le savez aussi bien que moi que le stade Léopold Sédar Senghor n'est pas encore... Et en réflexion, donc nous devons nous adapter avec les moyens que nous avons, mais ça sera pas une excuse. On a déjà joué sur des terrains beaucoup plus difficiles, mais c'est vrai que mon souhait serait d'avoir un stade vraiment une pelouse où nos garçons pourront vraiment s'exprimer et jouer un bon football. Ce n'est pas aujourd'hui le cas à 100%, mais je pense que c'est important quand même, malgré tout, d'être concentré et de jouer le meilleur football possible, malgré les conditions du terrain. Tôt ou tard, cette compétition aura lieu, sera mise en place avec la FIFA. Maintenant, je pense que c'est trop tôt de commencer à faire des commentaires là-dessus. Une chose est sûre, c'est que... l'Afrique s'est battue pour mettre la CAN au mois de juin. L'enlever du mois de janvier et le mettre au mois de juin. Et aujourd'hui, avec la compétition de cette nouvelle compétition-là que la FIFA va installer, je suis curieux de savoir comment on va s'organiser. Parce que la plupart de nos joueurs y seront. Apparemment, c'est programmé pour le mois de juin. Est-ce qu'ils vont aller jouer cette compétition-là après revenir jouer la CAN, tout en sachant que la CAN, ça dure au moins si on va au bout. Revenir avec leur club, ça voudra dire que le championnat a déjà commencé. C'est vrai que c'est un gros problème. Mais comme je dis, on a confiance à nos dirigeants. Laissons-les, à un moment donné, trouver des solutions. Pour l'instant, il est prématuré de faire des commentaires là-dessus. Et s'il s'avérait que, effectivement, ça se jouera dans ces périodes-là, une chose est sûre, ce n'est pas du tout quelque chose de très, très, très bon pour l'image et la notoriété aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là-dessus, je rejoins M. Claude Leroy sur les sorties qu'il a faites.